Août. Aujourd'hui, c'est lundi le 12. Nous sommes dans le cas de déplacer pour vos fonctions. Voici, nous sommes déjà avec la maman en question. Nous sommes ici pour construire une maison de la maman. Et avec cette maison, la fois passée, on avait fait l'appel des fonds. Il y a déjà qui ont soutenu cette activité. Et voilà, on a acheté des bâches pour la maman. Et on a acheté bassin, bidon, même des braises sont ici. On a aussi des sablats aussi, des casseroles. On a acheté tout ça juste pour soutenir la maman et pour voir comment la maman peut commencer une nouvelle vie avec l'enfant restant. Dans ce cadre-là, nous disons merci aux gens qui nous ont toujours soutenus, aux gens qui nous ont toujours accompagnés, aux gens qui sont proches de notre fondation Walika Lekugeza. Avec ça, il y a déjà qui n'ont pas. Donc il y a déjà qui ont contribué, il y a déjà qui ont contribué pour cette maison de la maman. Et cela, je passe à remercier notre maman, maman Lydie Kandol de l'église Mangembo ici de Londres. Nous disons vraiment merci maman pour votre soutien. Nous disons que Dieu vous bénisse. Mais maman, nous disons aussi merci à notre sœur Anita depuis Lyon. Nous disons merci aussi, que Dieu te bénisse pour votre soutien. Nous disons aussi merci à notre sœur Clémence depuis Lyon. Et vous aussi là où vous êtes, que Dieu vous bénisse pour ce geste que vous venez de faire au sein de notre fondation Walika Lekugeza. Nous disons aussi merci à maman Fifi depuis Manchester. Maman, vous êtes là toujours pour les autres. Vous êtes là pour les déplacer. Vraiment, je dis merci. Que Dieu vous bénisse pour ce geste qu'on venait de faire à travers la maman. Et c'est là qu'on a acheté des savons. Savon pour la maman. Il y a aussi autre savon pour les bébés. Ça, ça va aider la maman, même notre bébé. Mais aussi, on a acheté des meubles pour aider la maman à préparer la nourriture. Donc cela va aider la maman à mieux allaiter l'enfant. Bon, avec vos contributions, vraiment, nous disons merci parce qu'il y a beaucoup de choses que vous avez faites et nous ne pouvons pas commencer à se taire parce que nous sommes en pleine construction d'une maison ici. Et c'est là vraiment, pour ça, je dis merci, merci et que Dieu vous bénisse. Walika Lekugeza Foundation, nous disons merci à tout le monde. Walika Lekugeza Foundation, nous disons aux gens qui sont loin et proches de soutenir toujours l'œuvre qui se passe ici à l'Est, de soutenir toujours les déplacés qui sont ici à l'Est, et cela va aider les déplacés et ça va montrer l'amour. Car même la Bible dit dans Matthieu 25:35, celui qui donne à un enfant, donne à Dieu. Et cela vraiment, le bon Dieu qui est au ciel continuera toujours à vous bénir pour cette œuvre. Je vous présente aussi d'autres choses. Il y a aussi des bâches, comme je vous avais dit. Tout ça, c'est vos œuvres. Au niveau de Walika Lekugeza Foundation, nous travaillons à transparence pour vous montrer tout ce que vous faites chez nous. Ça nous donne au moins de la force, mais aussi de la performance. Nous vous présentons aussi ce bassin. Ce bassin, ça va aider la maman pour faire laver l'enfant. On a aussi amené les bidons. La maman va aussi déposer ici de l'eau à boire, même de l'eau pour préparer la nourriture. Il y a d'autres casseroles. Ça aussi, ça va aider la maman à préparer la nourriture. Sans oublier qu'on a des plats. Donc, quand la maman prépare la nourriture, ça serait mieux qu'elle mange sur des plats. Vraiment, pour ça, nous continuons toujours à vous remercier. Et nous continuons toujours à dire merci. Il y a aussi notre maman qui a envoyé ses habits pour l'enfant. La maman aussi, partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Ça, tu m'as parlé de quoi, il dit? Qu'il augmente aussi là où vous avez tiré. Ma foute, elle met. Il y a aussi d'autres choses. Vraiment, pour tout ça, nous disons merci. Walika Lekugeza Foundation, nous sommes avec les déplacés et nous travaillons avec les déplacés pour nous. Il y a tout. Il y a pour les bébés. Vraiment, avec vos soutiens et avec vos appuis, nous disons merci.
Il y a beaucoup de déplacés. Et cela, avec vos soutiens, nous allons voir comment nous allons continuer à soutenir d'autres personnes. Il y a des enfants, il y a des mamans qui souffrent. Donc, vos soutiens, ça va nous aider et ça va nous donner aussi la force à la population en question qui ont fui la guerre. Merci beaucoup.